Et si Bart venait rendre visite à Maxime à l'Institut Auguste Armand? Dans une interview accordée à Téléstar à l'occasion de la 60e édition du Festival de Monte-Carlo, tenue du 18 au 23 juin dernier au Grimaldi Forum de Monaco, Hector Langevin a évoqué la possibilité de retrouver Clément Rémien, son ancien collègue de Demain nous appartient, dans la série spin-off Ici tout commence, lancée en 2020. J'adorerais continuer à jouer avec Clément, si est-il ce qui me manque le plus, a-t-il confié. On s'appelle, on se voit, mais ce qui me manque, si est-il de jouer avec mon frère d'armes, quoi. On a commencé ensemble. Pour donner à nouveau la réplique à son partenaire, Hector Langevin n'exclut pas la possibilité de passer une tête au château de Calvière, Bart est cuisinier, donc il pourrait venir faire des sushis à l'Institut Armand, a-t-il plaisanté. Pas question, toutefois, d'intégrer l'école de cuisine camarguaise. Je ne suis pas certain que ça lui correspondrait, a-t-il admis. On a tout fait pour le rendre adulte, ce Bart. Plus adulte que tout ça. Je pense qu'il ferait trop d'histoires à l'Institut. Il y en a déjà tellement que si en plus, on en rajoute. On ne peut pas dire que le passé de Bart soit de tout repos, alors à chaque fois qu'il est quelque part, il se passe quelque chose. Hector Langevin, je pense qu'il ferait trop d'histoires à l'Institut. Introduit en 2017 dans Demain nous appartient, Bart n'a fait qu'une seule apparition dans Ici tout commence depuis le lancement de la série. Hector Langevin avait alors donné la réplique à Fabien Wolfrom, dont le personnage, Louis Guinaud, avait débarqué à 7 pour tendre un piège à Maxime et Salomé, Aurélie Ponce. Pour l'heure, Bart n'a jamais visité l'Institut Auguste Armand. Aura-t-il un jour la chance de venir cuisiner auprès des chefs Tessier et Guinaud? L'avenir nous le dira.